Oh, auberge. Nice, on a la marquette. Ça, en vrai, on a eu de la chance. Hein. Allez parler à Klepre. C'est mon père. Moi, je nettoie, c'est tout. Alors, hop. Frabi, ma chère et tendre épouse, pourriez-vous nettoyer nos chambres? Nettoie les chambres toi-même, Klepre. C'est pas comme si tu faisais quelque chose d'important par ici. Putain. Non, j'ai arrêté, c'est juste un toit ou votre tête. Non, rien d'important. Comment vous vous êtes estropié, Degen? Les cris ne me dérangent pas. Alors, mes parents se disputent. Quelqu'un pour m'accompagner dans mes aventures là? Parce que je commence en robe, c'est pas fou. Tiens, est-ce qu'on peut carotter des trucs? Il y a du fromage et tout. Commencer dans les auberges, c'est quand même une aubaine un peu là. Il va falloir une armure. Je sais pas comment on va la jouer. Je pense, avant de penser au beat, il faut que je pense à survivre. J'ai nettoyé les tâches et les chambres. C'est déjà le plus important. Si on arrive à survivre, c'est déjà une bonne chose de fait. Des votes. C'est déjà bien. Tiens, peut-être jouer à deux armes. Non, pas maintenant. Jouer à deux armes, pourquoi pas. Plus tard, peut-être, si je suis toujours en colère. Encore un verre. Un employé d'Armlev est fils. Non, ça remplace l'épée déjà active. Toutes vos boissons sont coupées à l'eau, Klepre. Pour ça, faut toujours avoir deux épées identiques ou deux armes identiques si tu veux jouer en double arme. Sinon, je suis obligé de faire ça manuellement. J'ignorais que Lisbeth rencontrait des gens. Est-ce que les affaires d'Armlev et fils battent? Manière de cuire, mince. Ce héros viendra nous délivrer. Ouh, hache de fer. Vient lui l'enfant de dragon. Dans sa voix, le pouvoir de l'antique art nordique. Les cris ne me dérangent pas. Elle sera sauvée de ses ennemis. Il arrive l'enfant de dragon. Piquer tout ce qui est bouffant. La nuit va disparaître. C'est assez précieux. Et la lumière vaincra. Vous le verrez bientôt, l'enfant de dragon. Ouais, s'il meurt pas sur la route. Ok, trouver l'épée de l'aigle de karma. Bon, ce sera pas tout de suite, hein. J'ai dit la charité, langue de vipère. Voici l'auberge du sang d'argent. Qu'est-ce que vous avez à vendre? On va satisfaire votre appétit. On va prendre une gourde. Tourte à la viande. Bon, on va pas se ruiner non plus. La bière est moins chère que le sang. C'est la galère. Alors, il y a tout est bien en fait chez les Rouges Gardes. Les qui c'est quoi déjà? Les attaques puissantes ignorent un certain pourcentage de l'armure adverse. C'est pas mal. Morwa, soignez les autres et vous-même par la méditation. C'est pas mal aussi. Tout est bien chez les Rouges Gardes. Améliore la bénédiction des autres déités. Alors ça c'est parfait. Ce qu'il faut, c'est qu'on trouve un hôtel d'Akatosh. Si on trouve un hôtel d'Akatosh, on est bon. Alors, hôtel d'Akatosh. Où est-ce qu'il y a un hôtel des divins ici? C'est pas là-haut, là? C'est beaucoup de chemin. Ouais, tu vas te calmer tout de suite, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il y a l'autre qui a dû tuer l'impérial là. Bon, on s'en fiche. C'est pas nos soucis. Tiens, temple de Talos, c'est peut-être pas mal. J'espère qu'il y a un petit hôtel d'Akatosh. Putain, pourquoi il y a qu'un seul divin? C'est relou.
C'est relou, c'est relou. Au pire, on va prendre la bénédiction de Talos, c'est intéressant. Je sais pas ce qu'elle fait. C'est vraiment pas de temple des neuf divins. Ça me semble bizarre quand même. Il me semblait qu'il y avait un temple de Mara ou un truc comme ça. En fait, la bénédiction d'Akatosh, comme je le disais dans la strat, c'est elle file 10% d'XP en plus pour tous les skills. Donc nous, c'est un gros avantage. Tiens, il y a un forgeron. Là, qu'on achète. Putain, c'est une carotte, ça. Tiens, ici là, la ruine de Markarth, Hall of the Dead. Là, il y a un hôtel d'Arkay. Putain, où est-ce qu'on trouve la Katoche en vrai? Le cas blancherie ou allez-y, plus fort. Bon, tant pis. Tant pis, on s'est fait choper, c'est pas grave. Ah, elle a survécu ? Genre. Ah ouais. Je vous connais. Non, tu me connais pas. Putain, les gardes, ils font des options. On s'occupe de tout maintenant. Ne restez pas là. C'est bon ? Il a essayé de tuer Margaret. Sous mes yeux. On s'occupe de tout maintenant. Non, restez pas là. Bah, je crois que les gardes sont un peu bugués ici. Salut. Bon bah à ce moment-là, moi je vais pas m'embêter hein. Oh merde ! Si on court assez loin, ils nous ignorent, c'est ça qui est cool. On s'occupe de tout maintenant. Ne restez pas. J'espère qu'ils ne suivent pas trop. Popo. J'ai pas envie de sortir de la ville tout de suite, hein. Il me faut une armure. Hein. Je peux pas sortir comme ça quand même. Puis on peut aller à Blanchy. On va pas se gêner. On vole la vue. Attendez. Okay. Je vous connais. Je pense qu'on a assez d'or pour aller à Blanchy. La ville de Markarth. Et où souhaitez-vous aller? Blanchy. Montez et nous partirons. Vous ne connaissez pas Blanchy? Le palais du Jarl, dragon, vaut le détour. Un grand crâne de dragon orne un de ses murs. Tu. Paris Lee, un bouffon, son costume ne trompe pas. Il est au nord d'ici, voilà. Près de la ferme Lorraine. Putain, elle est rapide.
C'est vrai que la speed, je sais pas si c'est lié au rouge garde. Mais la speed qu'ils ont, c'est assez ouf. Salut. Souffle givre est activé. Où est-ce qu'on peut choper des armures pas chères? Des armures gratuites. Ce serait encore mieux. Je vais voir, on va aller voir Bellator déjà, on va lui acheter des trucs. Welcome to Bellator's General Goods. Welcome indeed. Tout est à vendre, absolument. Regardez donc. Ok, donc ça c'est 109. Je crois que j'ai déjà des bottes. On va s'acheter ça et ça. Et peut-être le sac en fourrure. Non, le sac en fourrure, on n'aura pas assez. Sauf si on vend des trucs. On va vendre ça déjà. Garnet 150, on a assez pour un sac. Non, je veux pas de sac, je veux surtout un sac de couchage. 311, c'est trop cher. Pas une petite tente? Ok, il y a ça, parfait. Pichet d'argent, ça on s'en fout. Verre, minerai de fer. Il y a une marmite. On a assez pour la marmite? Non, il manque un gold. On va vendre le panier là. Vas-y, marmite. Popo, 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 il y a des shops. Bougeoir d'argent. Pile machin. Ok, ok, ok. Il y a des tonneaux plaçables. C'est bon. Revenez donc. On va s'équiper tout de suite. Travail pour Bellator, magasin d'alimentation générale. J'ai envie de cambrioler un petit peu quand même. Regardez autour de vous. C'est la seule chose dont vous avez besoin. De couchage, on a une marmite, il nous manque juste une hache de bûcheron juste là, boum, et j'ai quick save et ça a crash, putain t'es sérieux là, bon bah c'est le premier crash, putain, oh là 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 là, Skyrim tu m'as manqué quand même, tu m'as manqué Skyrim, bon, je le relance, hein. Putain il y a toujours un truc hein. C'est pas possible quoi. Je pourrais jamais jouer à ce jeu genre hyper serein. Toujours un imprévu à la con. Popo popo popo. Plus c'était le crash de la quick save. Vas-y, je vais faire ça. On va faire ça, 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 tac et tac. Alors, Athéna, à la sortie de Blanche Rive.
besoin de sauvegarder. Je sais ce qui m'attend sinon. Je vends des fruits et des légumes. J'espère que ça s'inquiète pas aussi, parce qu'à chaque fois que je crache, après il y a des... Ça s'inquiète enfin, bizarrement, mais j'espère que c'est pas le cas. Bon, alors... Qu'est-ce qu'on tente en premier? Parce que là, c'est un peu la merde. Est-ce qu'on essaie... Est-ce qu'on essaie la mine? Un peu, en vrai. La mine, elle était faisable. Qui nous agressent dès le début parce que ils sont assez vénères. J'ai l'impression que mon perso, mais c'est une gazelle quoi. La speed que j'ai, c'est une seule. Ah, mais c'est parce que je crois que les rouges gardes ils ont un plus de speed quand ils sont pas en combat. Je crois que c'est ça le délire. Fermer les yeux deux secondes là. Ah oui, c'est vrai, il y a la technique du panier. Merde. Ça, c'est RP, ça. Ça, c'est RP. Merde. Prends un panier plus grand, peut-être. Oh, une marmite. Comment ça, j'ai été grillé là? Pourquoi ils se font du mal? Non, 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 non! Calmez-vous! Ah, il veut pas se calmer, hein! Calme-toi, Alvor, putain! C'est pas grave, c'est que quelques lingots là! Il a un sac à dos maintenant. Par en aventure. Bon, je fais pas la même connerie. Hein.
possible. Je pensais qu'il n'y avait que dans Oblivion où les PNJ étaient aussi collants. Oh là là, laisse-moi tranquille. Au pire, il va m'aider avec le bandit. C'est mon espoir. Putain, il y a des lapins. Ah, j'ai peut-être pas dû régler le spawn. Si, je l'ai réglé. Je crois. Parfait. Ok, il m'a lâché. Parfait, parfait. Bon. Normalement, il devrait me lâcher. Hein. Plus sombre tout à l'heure. C'est bon. Je pense qu'on va jouer pour l'instant avec un spell. Pioche là ici. Genre tu m'as vu. Allez meurs. C'est parti. On va miner. Je vais ouvrir les tripes. Allez. Tu. On va se positionner ici. Hein. Allez vérifier l'entrée. Je vais chercher par là. Oh, il y a un shield. Nice.
va pouvoir parer. Allez, viens. Viens. Non ! Ah ! Oh non. Putain, il me bloque. Il est mort ? Oh shit, il est mort. Putain, la luck. Il est mort ou pas ? Ouais, il est mort. Holy shit, j'ai échappé belle. Armure cloutée, c'est mieux que ce que j'aime ? Non. Assez vite remplir notre inventaire. Je sais pas si je le mets dans mes favoris, le shield. On peut jouer à la double hache. Au pire, ouais. Et du coup, ça, on enlève des favoris. Voilà. On jouera comme ça. Que j'ai entendu quelque chose. Allez, une sneak attack. Viens! Oh là là, elle s'éloigne trop. Au pire, je peux engager le combat avec une sorte de destruction. Je sais que j'ai entendu quelque chose. Alors, je sais pas si on jouera à l'armure lourde. Non, je pense pas. Quel bolos, genre il te voit pas. J'avoue, quel bolos. Le bolos. Ouais, ils sont aveugles, hein, les PNJ dans. Dans ce game. On minera ça plus tard. Dès qu'on aura vidé la mine. Alors, tu. On va essayer une sneak attack. Là il nous voit parce qu'il y a une source de lumière. Oh, mais surtout pas que je me prenne de flèches, sinon je suis mal. Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Vas-y, je peux peut-être me le faire.
rocade là. Je vais dans les rochers. Bon, ils vont mourir comme des cons. Oh, ouf, c'était chaud. Ah! Bon, je sors là, c'est un peu chaud là. Ça me fait un peu peur. Il va sortir ou quoi? Non, il sort pas. Non, il sort pas? Oh la luck. On y retourne. Oh non! Non! Temps froid, qu'est-ce qui m'arrive là? Non, je suis mort, putain! Oh là là, mais c'est trop dur! Bon bah, adieu Athéna. Oh la vache, putain, mais c'est chaud! C'est chaud de ouf, amen!